ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Aujourd'hui nous a quitté un grand rav, un grand rosh yeshiva, rosh yeshivat Or Letzion, le Gaon Rabbi Eliyahu Abba Shaul, le fils unique du Gdol Hador Rav Ben Tzion Abba Shaul. Et comme je disais tout à l'heure, chaque juif a une hakarat hatov envers le Rav Eliyahu Abba Shaul qui est niftar aujourd'hui. Il est niftar soudainement à l'âge de 70 ans, et donc c'était un choc dans le monde de la Torah. Et je vais expliquer pourquoi chaque juif, il lui doit une hakarat hatov. Parce que le Rav Ben Tzion Abba Shaul, lorsqu'il est décédé, ne nous a pas laissé de livres de halakha, de livres qu'il a écrits. Il a laissé le Or Letzion Chelek Aleph, qui n'est pas vraiment un livre où on peut, qui est accessible à chaque personne, c'est accessible qu'au Talmidei Chachamim. Est venu le fils, le Rav Eliyahu Abba Shaul, Alav Shalom, et il a pris sur lui d'imprimer et d'éditer et de mettre en page les halakhot de son père, Or Letzion Chelek Bet, Chelek Gimel, Chelek Dalet, et dernièrement est sorti Chelek He, déjà sur Yoredea, il a fait sur tout Or HaChaim, Ilchot, Tfila, Birkat Amazon, Brachot, Shabbat, Chagim, et maintenant sur Yoredea. Et donc, grâce à lui, il y a beaucoup de Torah qui a été augmentée dans Am Israël. Donc, on lui doit une hakarat hatov. Donc, on va dire quelques divrei hesped. À la place de dire les Pirkei Avot à la fin du shiur, on va le dire au début du shiur. Pirkei Avot, Perek Dalet, quatrième Perek de cette semaine. Début, première Mishnah, Mishnah Aleph. Nous dit la Mishnah, Ben Zoma Omer, Ezehu Chacham, Halomed Mikol Adam. Un sage, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre de chacun. Celui qui n'a pas l'humilité et la capacité d'aller apprendre de chaque personne, ce n'est pas quelqu'un qui est sage. Ce n'est pas quelqu'un qui atteindra la sagesse. Et Zehu Chacham Alomed Mikol Adam. Et c'est intéressant que dans le Chasse, dans le Talmud, on a d'autres définitions à ce que c'est un Chacham. La Gemara dit Et Zehu Chacham Haroe et Anolad. Celui qui voit comment les choses vont se dérouler, quelqu'un qui arrive à prévoir à long terme, ça c'est un chacham, ça c'est un sage. Il y a une autre gemara dans ma Sechet Tamid, dans la page 32, qui dit « Ezehu chacham amakir et mekomo » celui qui connaît sa place. Donc demande les mefarshim, qu'est-ce que c'est un chacham alors? On a trois définitions à ce que c'est un sage. On peut expliquer quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est complet dans des qualités qui vont lui permettre d'atteindre la sagesse. Et pour pouvoir atteindre une sagesse, il faut avoir pas mal de qualités. Il faut d'abord être prévoyant, il faut être capable d'écouter de tout le monde, et aussi il faut connaître sa place. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître sa place? Il explique le Rav Ben Tzion Abba Shaul, Alav Shalom, le père du Manoach, dans son livre sur le Moussar. Il dit qu'a priori, il y a une contradiction dans les enseignements de nos maîtres, de Chazal. D'un côté, il y a marqué « Toravat Hashem kol gevalev », ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui se prend pour quelque chose. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter. « Toravat Hashem kol gevalev ». D'un autre côté, il y a marqué dans un autre pasouk, Vaikbah libo bedarke Hashem. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui va être fier de sa réussite dans les chemins d'Akadash Baruch Hu. Donc il demande le Rabben Tzion Abba Shaul, il y a une contradiction. Ici, on voit que l'orgueil est interdit. D'un autre côté, il y a marqué qu'il faut être fier de ce qu'on est. Il répond le Rabben Tzion Abba Shaul en une phrase. Et il dit, Anava velo shiflut. L'humilité est importante, mais d'être chafel veut dire de s'annuler, ça c'est pas quelque chose de bien. C'est vrai qu'il faut être humble, c'est vrai qu'il faut être anav, mais de s'annuler et de même pas connaître sa réelle et sa vraie place, ça aussi c'est pas exact. Et il explique. Il dit, si un rav, un talmid chacham,
qui a étudié le chasse, qui a étudié le Shulchan Aruch, qui a étudié les poskim, les rishonim, et qu'il a fait des mivranim, des contrôles sur Ilchot Shabbat, Ilchot Dida, Choshen Mishpat, Even HaEzer. Et les rabbanim, ils ont vu que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va pouvoir éclairer les yeux de l'âme Israël et répondre aux questions et enseigner la Torah. Et lui, il se dit, non, qui je suis? Qu'est-ce que je vaux? Il est anav. Cette personne-là, c'est pas de la anava. Ça, c'est quelqu'un qui est mashpil et tatsmo. C'est quelqu'un qui est en train de perdre sa vraie place, sa vraie valeur. C'est ça ce que nous dit la Gemara dans Maseret Tamid. Et Zehu Chacham, quelqu'un qui est sage, qui va enseigner aux gens, qui va répondre aux questions, qui va être grand en Torah, c'est quelqu'un qui connaît sa place. Sans être orgueilleux, mais il doit connaître sa place. J'avais un livre sur la vie du Rav Ben-Tzion Abba Shaoul qui raconte à quel point le Rav Ben-Tzion Abba Shaoul, tout le monde sait qu'il avait une anava particulière. L'anava de Rav Ben-Tzion Abba Shaoul, c'était une anava particulière. Il avait vraiment aucun kavod pour sa personnalité, rien du tout. On raconte que quand on allait Erev Shabbat, quand quelqu'un venait Erev Shabbat chez le Rav Ben-Tzion Abba Shaoul, il tapait à la porte, posait des questions. C'est un des grands de la génération, Gdol Hador. Il tapait à la porte. Quand il rentrait, il voyait le Rav Ben Tzion Abba Shaoul avec le pantalon retroussé, sans chaussettes, en train de faire la serpillière. Et c'est comme ça que les gens venaient, et ils posaient des questions, et ils répondaient. Il dit, je ne peux pas être au Beit HaMidrash et pas aider à la maison. Il faut que j'aille à la maison. Les gens, ils ont besoin. Donc, je leur réponds tout en faisant la sponja. Il avait une anava particulière, mais d'un autre côté, il connaissait ses capacités. Et on raconte que le Rav Ben Tzion Abba Shaoul, après 15 ans de mariage, il n'avait toujours pas d'enfant. 15 ans, Rav Ben Tzion Abba Shaoul, il était marié sans enfant. À tel point qu'après 10 ans de son mariage, certains rabbanim lui ont dit, tu sais, que dans la halakha, celui qui est marié 10 ans sans enfant, alors il doit se séparer de sa femme, comme ça, elle essaye d'avoir des enfants et lui, il essaye d'avoir des enfants. Il n'était pas capable, il a trouvé un éther, il est resté marié avec sa femme. Au bout de 15 ans, il est allé voir le Chazon Ish. T'allais à Bnei Brak voir le Chazon Ish pour recevoir sa bénédiction, sa bracha. Il rentre chez le Chazon Ish, maintenant, Rav Ben-Tzion Abba Shaoul, s'il va chez le Chazon Ish, il ne va pas seulement pour prendre une bracha. Une rencontre entre deux Talmidei Chachamim, ça doit être assaisonné de divrei Torah. Il rentre chez le Chazon Ish et il demande une bracha pour sa femme et pour lui, qu'ils aient un garçon. Il a fait une bracha. Et ils ont commencé à discuter des divrei Torah. Le Chazon Ish, il disait une chose, et le Rav Ben Tzion Abba Shaoul n'était pas d'accord. Donc il lui dit, moi je ne suis pas d'accord, puisque j'ai une preuve de ce Tosfot et de ce Rashba et de ce Rashi. Et le Chazon Ish, il dit, non, mais le Rashba et le Rashi, ils parlent dans ce cas précis, pas dans notre cas. Et le Rav Ben Tzion Abba Shaoul ne s'est pas laissé faire. Au bout de ce Massa ou Matan, les allées et venues, Rav Ben Tzion Abba Shaoul n'est pas d'accord de se rendre. Il dit, moi, je pense que la preuve, elle est bonne. Et donc, la halakha, elle est comme je dis. Le Chazon Ish, il dit non. Il dit, le Chazon Ish, il termine et il dit, Abba Shaoul, Tanahu ou Palig. La Gemara, elle dit que Rav, même si c'était un Emora, de la période des Amoraïm, il était capable, il avait une force de Tana. Rav, Tana ou Palig. Alors, il a dit, le Chazon Ish, sur le Rav Ben Tzion Abba Shaoul, Abba Shaoul, Tana ou Palig. Il est capable d'être Olek. C'est-à-dire que Rav Ben Tzion Abba Shaoul, il n'a pas, même avec tout son anava, il n'a pas dit j'annule mon opinion, je dis non, même si je pense que la vérité elle est comme ça, alors je vais dire autrement. Non. Il était makir et mekomo. Et Zehu Chacham makir et mekomo. Et suite à cette bracha, est né le fils unique de Rav Ben Tzion Abba Shaoul, Rav Eliyahu Abba Shaoul, qui est niftar aujourd'hui. Il disait toujours le Rav Ben Tzion Abba Shaoul que son fils, c'est le fils du Chazon Ish. Parce que grâce à la bracha du Chazon Ish, a eu la naissance de Rabbi Eliyahu Abba Shaoul. Alors, Yehi Ratzon, Sh'tehe Nitshmato Tzura Betzora Chaim, et le zchout, le mérite qu'on a d'étudier les halakhot de Rav Ben Tzion Abba Shaoul, de connaître et d'étudier dans le livre Or Letzion, que c'est grâce à ce Rav Eliyahu Abba Shaoul que ce zchout ta'amod lo, la'alot be'gan Eden ha'elyon, be'ezrat Hashem. Aujourd'hui. Ta levaya, c'était cet après-midi. Et les enfants? Ok. Maintenant, Rabotai. Le shiur de ce soir, il n'est pas très différent de ce sujet que je viens d'évoquer. On va parler ce soir de la bénédiction, la bracha,
qui a été enseigné par les Chachamim, lorsqu'on voit un sage de Am Israël, lorsqu'on voit un grand Talmid Chacham, un Chacham de Chachmé Israël, les Chachamim ont instauré une Beracha, comme on va l'étudier dans la Gemara, comme on va le voir dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir et d'apprendre ce soir, est-ce que cette halakha est toujours actuelle, que lorsqu'on voit un grand rave, il faut faire cette bénédiction? Et quelle est la définition d'un grand rave? Aujourd'hui, on a plusieurs styles et sortes de rabbanim. Est-ce que tous les rabbanim, il faut faire la bracha ou pas? Il y a toutes sortes de phénomènes intéressants. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu, quelqu'un qui s'appelle le Yanouka. Un jeune de 32 ans qui connaît toute la Torah Kula. Le Niglé, le Nistar. C'est très impressionnant quand on l'écoute. Est-ce que une personne comme ça, on doit faire la bracha ou pas? Est-ce que peut-être qu'il faudrait seulement un rave qui est déjà âgé et qui est déjà ménoussé et qui est déjà... il est encore plus ancré dans le limoud de la Torah, quelqu'un qui enseigne la Torah aux autres, quelqu'un qui répond, qui m'aurait au Raot Beisraël. Ben souvent, on entend à la radio, quand il y a le shiur, le Motzaï Shabbat, du Rishon Letzion, alors on entend des personnes qui font la bracha. Quand ils voient le Rishon Letzion, ils font la bracha, le grand rabbin d'Israël. Alors la question, elle est, est-ce qu'on fait la bracha ou pas? Des rabbinim âgés qui ont fait la bracha devant Azneré. L'Agmara, quelle bracha? On y arrive. L'Agmara dit Masechet Brachot dans la page 58, Nunchet Amud Alef. Elle dit l'Agmara Tanu Rabbanan. Aroe Chachmei Israël, Omer Baruch Shechalak Michochmato Lireav. Quelqu'un qui voit des sages ou un sage de Am Israël dit Baruch Shechalak Michochmato Lireav. Quand on dit Baruch Shechalak, veut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Shechalak Michochmato Lireav veut dire le Kadosh Baruch Hu a partagé sa sagesse à ceux qui le craignent. Shechalak Michochmato Lireav. Par contre, celui qui voit Chachme Ovdei Kochavim, quelqu'un qui voit un sage des nations, quelqu'un qui voit Aristo, il voit Platon, des personnes qui sont très très célèbres pour leur intelligence et leur sagesse, mais ils sont Ovdei Kochavim, ce n'est pas la sagesse de la Torah. Alors il y a aussi une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shenatan Mechochmato Libriotav, ou les Basar Vadam, qui a donné de sa sagesse à des créatures. Donc on a deux bénédictions pour des sages de la Torah. Pour des sages de Umot HaOlam, sages de la Torah, Baruch Shechalak Mechochmato Lireav, et les sages des nations, Baruch Shenatan Mechochmato Lebasar Vadam. Il dit le Shulchan Aruch, on y arrive à ce que tu dis. Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Kavdalet, il le ramène à la Chale Maase. Donc cette Gemara est ramenée dans le Shulchan Aruch. Resh Kavdalet, c'est Yva Vezaïn. הרואה חכמי ישראל אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שחלק מחוכמתו לרעב אדון לסעיף זעין הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים שחכמים בחוכמות העולם סילה סג'ס נפאין סג'ס בתורה אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם כמו זה נוגיל לשולחן ההוא דונק לקסיון עלי כסקוסי החכם מחכמי ישראל. Aujourd'hui, chaque rav de Bet Knesset, il est chacham. Chacham et chachmé Israël. A priori, à chaque fois qu'on voit le rav, si on le voit tous les jours, alors donc 30 jours depuis le moment où on ne l'a pas vu, on devrait faire à Roé la bracha de Shechalak Mechochmato Lireav. Pourquoi on ne le fait pas? Peut-être qu'il y a une autre définition de ce que c'est chacham, un sage. C'est quoi la définition? Dans le Pirkei Avot, on a vu plusieurs définitions dans les Midot. Mais maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est la définition dans la connaissance. Plusieurs sortes de définitions. Quelle est la définition du chacham, du rav, sur lequel on récitera la bracha de Shechalak Mechochmato Lireav? Mais avant de donner la définition, j'ai envie d'expliquer quelle est la différence entre un sage de la Torah
et un sage des nations. Pourquoi, quand on parle de sagesse de la Torah, on dit Shechalak mechochmato lireav, qu'Akadosh Baruch Hu chalak, partagé de sa sagesse. Or, dans les nations, les sages des nations, on ne dit pas Shechalak, partagé la sagesse. On dit Shenatan, il a donné de sa sagesse. Pourquoi on emploie deux sortes de termes? Le Rambam, il dit la même chose dans les deux. Shenatan mechochmato lireav, Shenatan mechochmato lebasar vadam. Mais le Shulchan Aruch et la Gemara, on n'a pas cette version. On a deux versions. Shechalak mechochmato lireav, partager sa sagesse avec ceux qui le craignent, et donner Nathan mechochmato. Pourquoi? Le Beit Yosef déjà ramène Rishonim, Rabbi David Abou Darhem, qui parle de ce inyan-là, et plusieurs explications ont été données. Le Beit Yosef ramène deux explications, le Bach, le Taz, le Magen Avraham, le Premier Gadim. Sans fin, plein d'explications, on va donner quelques-unes. Il dit le Beit Yosef qu'il y a une différence entre les Neshamot de Am Israël et les Neshamot des Goïm. Les Neshamot de Am Israël, ils viennent du Kissé à Kavod. Le Kissé à Kavod, le trône céleste, dans ce trône se trouvent les Neshamot de Am Israël. Ce qui fait en fait qu'un juif, il fait partie. Il fait partie d'Akadosh Baruch Hu, il fait partie du trône céleste. Comme on dit, Chelek Elokam Imal. Un juif, Kadosh Baruch Hu lui a donné une neshama et dit le Targum, Man de Nafar, le Zohar, il dit, Man de Nafar midileh kanafar. Kadosh Baruch Hu, il a donné la neshama, soufflé la neshama dans le corps de l'homme comme s'il a gonflé un ballon. Quelqu'un qui gonfle un ballon, il va sortir de l'air, de l'oxygène de son corps, il va le transmettre dans le ballon. Donc Kadosh Baruch Hu aussi, qui vit à Chol, il a de lui-même, il a donné cette neshama, soufflé cette neshama dans le juif. Donc en fait, un juif, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Les nations, non. Les nations, ça ne fait pas partir d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont été créés, mis à part. Il dit le Beit Yosef, c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu a donné la sagesse aux juifs, il a donné de sa propre sagesse. Il a partagé sa sagesse et donc nous, on fait une partie de lui. C'est pour ça qu'on dit, on emploie le terme Shechalak mechochmato. Akadosh Baruch Hu, il nous a partagé. Il a partagé avec nous. On a la même sagesse. On est le même, on est un. Alors donc, on est associé et on a chacun une part. C'est pour ça qu'on emploie le terme Shechalak. Mais les nations, il y a marqué Shenatan mechochmato. Il a donné une chochma. Mais il leur a donné, mais ils ne font pas partie de lui. C'est pour ça qu'on ne dit pas Shechalak. Ils n'ont pas de chelek. C'est quoi la part pour un juif qui n'est pas Shema Torah des autres? Alors, quelqu'un qui est sage dans la Torah et que lui-même, il est sage de la Torah, on fait la bracha de Shechalak mechochmato l'ireav. Mais alors, s'il était Chacham Mechochmat à Torah, alors on va voir, on aurait pu dire Shechalak Mechochmato Lireav, pour ceux qui le craignent, il faut être Yire Shamaim pour ça. Yire Shamaim, c'est quelqu'un qui est tzadik, tzadik veyare Hashem. S'il n'est pas tzadik veyare Hashem, si le Chacham n'est pas religieux, si le Chacham n'est pas Yire Hashem, c'est sûr qu'on ne peut pas faire la bracha de Shechalak Mechochmato Lireav. Peut-être qu'on pourrait dire la bracha des Goïm. Chez Nathan Mechochmato, le Basar Vada. Ça complique ce qu'on vient de dire alors. Pourquoi? Parce que si on dit que Kadosh Baruch Hu avec nous, il a donné une partie de lui, on sera là. Oui, mais si on l'applique de manière juste. Mais si ce juif-là, il n'a pas appliqué de manière juste, alors c'est juste une sagesse. C'est vrai. C'est pour ça qu'on aurait pu entamer. C'est pour ça qu'on aurait pu employer le terme Shechalak, mais on ne peut pas dire le terme Lireav, pour ceux qui le craignent. Alors donc, Rabotai, ça c'est ce qu'il dit le Beit Yosef, qu'il y a une différence entre le juif et le non-juif. On ne va pas allonger nos paroles plus que ça, parce que j'ai envie d'arriver à la Chale Maasé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette bracha est d'actualité? Il y en a qui ont voulu dire. Il y en a qui ont voulu dire que cette bracha se trouve, comme toutes, comme plein de brachot, toutes sortes de brachot, comme les brachot sur les montagnes, les brachot sur les mers, sur les éclairs, les tonnerres. On a plusieurs brachot. Toutes ces brachot-là se trouvent dans le 9e perek de Masechet Brachot qui s'appelle le perek Haroé. Perek Haroé. Et si vous étudiez ce chapitre, le 9e chapitre de Masechet Brachot, à l'intérieur, vous voyez que dans tout ce chapitre, il n'y a jamais marqué Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Il y a marqué Baruch Osema Asebereshit. Baruch,
שכוחו גבורתו מעלה עולם. כמו נביא ici, ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו, ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. Il y a pas marqué ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. Donc certains rishonim veulent dire que toutes ces brachot, on doit les réciter sans shemou malchut. Comme ça il dit le Tosfot au début de ce perek, au début de perek Chiei, dans la page 54, il dit Piresh Rabbeinu Shemaria de kol hane brachot tzrichot lazkarat shemou malchut. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam. Il dit ne pense pas comme ceux qui vont te dire que toutes ces brachot du Père Ekaroé sont sans Shemou Malchut. Il faut le faire avec Shemou Malchut. V'chen katav Rabbeinu Shimshon Mikutzi, ki hari haya ragil levarech al habrakim, baruch ata Hashem, Elokeinu Melech haolam, shekocho gvuratu male olam. V'chen piresh Rabbeinu Yitzhak. Et il ramène le Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit qu'une bracha qui va être récitée sans le nom d'Hashem et sans employer le terme roi, donc sans Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, s'il n'y a pas le Hashem, il n'y a pas le Melech, en Abracha. Et comme ça, il dit Tosfot, le Ra'avad, lui, il pense que non. Mais la halakha n'est pas comme le Ra'avad. Et le Shulchan Aruch tranche qu'il faut dire avec. Et comme on a vu maintenant, on a vu dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Kaf Dalet, que lorsqu'on voit un sage de Chachmei Israël, il faut dire Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shechalak Mechokhmato Liréab. Donc, dire cet argument que toutes les brachot de Père et Karoé sont sans Shem ou Malchut, ce n'est pas un bon argument. Donc, a priori, on devrait le dire. Il y en a qui ont voulu dire autre chose. Dans le Tzitz Eliezer, le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, Alav HaShalom, souvent on ramène de ses Sfarim, le Tzitz Eliezer, dans le Chelek Yudalet, Siman Lamedchet. On lui a posé cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit... Quand on voit un sage, un chacham, un grand rave, est-ce qu'on doit dire cette bracha de Shechalak Mechokhmato Lireav ou pas? Lui, il dit non. Non, on n'a pas employé cette bracha aujourd'hui, de nos jours. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, il dit oui. Le Rambam, il dit oui. La Gemara dit oui. Pourquoi? D'où tu viens, le Tzitz Eliezer, et tu vas décider autrement? Alors, il dit plusieurs explications. Il dit, premier argument, qu'on peut réciter la bracha, cette bracha, seulement quand il s'agit d'un chacham mouflag, donc d'une sagesse qui est hors du commun. Une connaissance et une compréhension dans la sagesse de la Torah qui est mouflag. Mouflag veut dire démesuré. Or aujourd'hui, de nos jours, il dit, on n'a pas de chacham mouflag. Aujourd'hui, dans les générations, se diminue. L'itma'atu alevavot, comme ça il dit aussi le Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal. L'itma'ez, donc ça c'est depuis le Beit Yosef, ça fait déjà 450 ans le Harizal. Il dit que depuis l'époque du Harizal déjà, la notion de chacham mouflag, de sagesse démesurée, elle n'existe plus et donc on ne peut pas réciter cette bracha. Ça c'est un premier argument. Deuxième argument que nous dit le Tzitz Eliezer, qu'on ne pourra pas faire la bracha, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de din de Talmid Chacham. J'explique. Dans Roshen Mishpat, donc dans les lois de Dine Mamonot, il y a marqué dans Roshen Mishpat que quelqu'un qui est mévasé Talmid Chacham, quelqu'un qui va faire un bisaïon de Talmid Chacham, il a un knas, il a une amende à payer. Il vient le Rama. Il dit le Rama qu'aujourd'hui, elle a nous dit d'Intamid Chacham. Aujourd'hui, les générations ont diminué et donc aujourd'hui, on n'a pas de din, donc de halakha, de cadre ilchatique de Tamid Chacham. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de classe. Comme ça, il dit le Rama. Alors, il dit le Tzitz Eliezer, tu vois que le Rama dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Tamid Chacham. Donc, tu ne peux pas faire la bracha de cette bracha-là. Donc, c'est deux arguments qui se ressemblent, mais que finalement, ils se rejoignent pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cette bracha. Une seconde. Il dit le Kafachaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, ainsi le Ben Ishchai, qu'aujourd'hui, on n'a pas de Talmid Chacham. Et donc, ils disent, aujourd'hui, on ne peut pas faire la bracha. Comme ça aussi, il dit le Rav Ben Tzion Abba Shaul. Il suit le Ben Ishchai, il suit le Kafachaim. Ils disent, tous ces Chachamim, aujourd'hui, on ne peut pas faire cette bracha avec le Shem ou Malchut. Tu peux la réciter sans Shem ou Malchut.
c'est pas considéré une bracha. D'accord? Dire à quelqu'un fait la bracha sans Shem ou Malchut, c'est dire bon, au moins fait comme le Ravad. Le Ravad, il dit qu'une bracha qui n'a pas Shem ou Malchut, elle est valable. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est comme le Yerushalmi. Kol bracha she'en v'shem u'malchut en bracha. Et donc tous les rishonim disent qu'il faut faire avec Shem u'malchut. Mais ici, il dit le Ben Ishchai, il dit le Kaf HaChaim, Rav Ben Tzion Abba Shaul. On n'a pas de din de Tamid Chacham et donc on ne peut pas faire cette bracha. Le Aruch HaShulchan, ça, le titre Eliezer, il continue. Troisième argument, pourquoi on ne peut pas faire de bracha. Le Aruch HaShulchan, il donne un troisième argument qui ressemble, mais c'est un troisième argument. Il dit, c'est vrai que logiquement, théoriquement, on aurait dû faire aujourd'hui la bracha de Shechalak Michochmato Liréav, quand on voit un chacham. Mais, il dit, les chachamim ne nous ont pas dévoilé la juste mesure de la sagesse. Qu'est-ce que c'est un chacham? Quelqu'un qui connaît tout le chas, tout le Talmud, ou il n'y a pas besoin de tout le Talmud? Et si tu me dis qu'il y a besoin de tout le Talmud, est-ce que c'est suffisant? Peut-être qu'il faut savoir tout le Talmud et tout le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui connaît le Talmud et le Shulchan Aruch et le Rambam, mais il ne connaît pas la Kabbalah. On n'a pas de mesure. On n'a pas de shi'ur. On ne nous a pas dévoilé quelle est la limite et combien de connaissances le Raham doit connaître pour faire cette bracha. Donc, il dit, puisqu'on ne nous a pas dévoilé le shi'ur, mais ça fait que tu ne peux pas faire la bracha. Donc, la conclusion du Tzitz Eliezer, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire cette bracha. À cause de tous ces arguments que je vous ai dit, ainsi dit le Ben Ishchai, le Kaf HaChaim, ça fait que brachot lehakel. Kaf HaChaim, Ben Ishchai et le Rav Ben Tzion Abba Shaul. Alors, a priori, on devrait fermer les livres, repartir chez soi et dire que cette bracha, Bezrat Hashem, conviendra le Mashiach, on la récitera. Hatsheba, Rabbeinu Ovadia Yosef, Alav HaShalom, dans son livre Chazon Ovadia, et lui, il prend tous ces arguments, ces trois arguments, et il dit ils ne sont pas vrais. Et donc, on va devoir suivre le Shulchan Aruch. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit le Shulchan Aruch, on voit le Mishnah Bura, ils ont tous ramené cette bracha. Et jusqu'à des dernières générations, le Rav Eliashiv à la Vachalam. Les gens faisaient la bracha devant le Rav Eliashiv de Shechalak Michochmato Liréav. Le Rav Eliashiv répondait Amen. Et ainsi le Rav Ovadia Yosef, comme on voit maintenant. Et beaucoup de rabbinim, on voit qu'on fait la bracha devant eux, ils répondent Amen. C'est-à-dire qu'ils cautionnent, ils sont d'accord, ils ne sont pas en train de se permettre de faire une bracha levatala. Comment sur eux? Qui? Sur le Ben Ishchai et sur le Kaf HaChaim et sur le Rabben Tzion Abba Shaul, babaya. Alors on a une règle. Alors on a une règle. Alors on a une règle, Rabbi Binyamin. C'est que les Tanaïm peuvent discuter entre eux. La période des Tanaïm. Les Amoraïm, ils ne peuvent pas être holkim sur les Tanaïm. Mais entre eux, ils peuvent. Les Rishonim, ils peuvent être en désaccord entre eux, mais pas sur les Amoraïm, mais pas sur les Tanaïm. Les Acharonim, donc les décisionnaires de ces dernières générations, ils peuvent discuter entre eux, mais pas contre les Rishonim. Maintenant, le Ben Ishchai, même le Shulchan Aruch, le Kaf HaChaim, Rav Ben Tzion Abba Shaul, ce sont tous des Acharonim. Rav Ovadia Yosef, c'est aussi un Acharon, il a le droit d'être Cholek. Maintenant, est-ce que la définition de sage, elle est relative d'or? On va voir. D'abord, on est en train, avant de rentrer dans la définition quelle est la sagesse, on va d'abord, est-ce qu'on fait cette bracha? Selon tous ces poskim que je viens de réciter, il n'y a même pas cette bracha. Si on dit que oui, alors d'abord, on va voir pourquoi oui. Alors, on va voir comment le Rav Ovadia Yosef, il répond à ces trois arguments en disant que oui, il faut faire cette bracha. Maintenant, il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas seul. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est d'accord avec Rav Ovadia Yosef. Le Rav Vosner, Alav HaShalom, Shevet HaLevi, il est d'accord avec Rav Ovadia Yosef. Il dit le même avis, il faut faire cette bracha, même de nos jours. Le Khatam Sofer, il dit il faut faire cette bracha. Le Chazon Ish, il dit qu'il faut faire cette bracha. Donc, le Rav Ovadia Yosef n'est pas seul contre tous ces acharonim. On a beaucoup de acharonim qui tiennent de son avis qu'il faudrait faire cette bracha aujourd'hui avec Shem Malchut. Tout à l'heure, on va voir. Donc, si oui, quelle est la définition? Et d'abord, quel est le... Exactement. Moi, je dis que ça va rouler. Et vous, c'est le clan. Bien fait. Tamertov. Le premier argument qui a été récité par
le titre Eliezer, c'est que pour faire la bracha, il faut un chacham mouflag, un sage qui a une sagesse démesurée. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, Zelonachon, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Il ramène une preuve magnifique que c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'une sagesse démesurée. Il suffit de connaître la Torah et de comprendre la Torah, d'avoir la sagesse de la Torah, pas besoin d'un génie. D'où il apprend? Dans la Gemara Brachot, dans la page Nunchet, là où se trouve notre Sugya, il y a une Gemara qui dit que sur quelqu'un qui a une sagesse démesurée, il faut faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Chacham Harazim. Ça, c'est une bracha pour un sage qui a une sagesse démesurée, mouflag. Le Tour et le Shulchan Aruch n'ont pas ramené cette bracha. Il dit le Tour, pourquoi? Il dit parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chacham mouflag. Aujourd'hui, on n'a pas de sagesse démesurée. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas chacham harazim. Alors, il dit le Rav Ovadia Yosef, tu vois que le Shulchan Aruch n'a pas ramené la bracha de chacham harazim. Mais par contre, la bracha de Shechalak Mechokhmato Lireav, il a ramené. Forcément, que la bracha de Shechalak Mechokhmato Lireav, elle ne nécessite pas une sagesse démesurée, mais juste un chacham et chacham Israël. Donc la preuve, elle est magnifique. Il dit, ce premier argument, il n'est pas exact. Et donc, il a répondu à ce premier argument. Deuxième argument, c'est quoi? Qu'aujourd'hui, on n'a pas de din talmid chacham. Il dit le Rav Ovadia Yosef tout d'abord. Ça, c'est selon le Rama, les Ashkenazim. Mais selon le Shulchan Aruch, aujourd'hui, celui qui fait bisayon à Talmid Chacham, il est chayav dans le Knas. Il dit aujourd'hui, il y a un dit de Talmid Chacham. Et même selon le Rama, qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Talmid Chacham, il dit ça, c'est dans les dinim mamonot, dans le Knas, dans l'amende qui est mise sur celui qui fait un zilzoul. Mais dans les autres halachot, il y a un dit de Talmid Chacham. Comme ça, il dit le Chida. Alors donc, il dit, ce deuxième argument de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Talmid Chacham, ce n'est pas un bon argument. Non seulement ça, il dit le Rav Yonatan Aibishitz, dans son livre Urim et Tumim. Il dit qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un din de Talmid Chacham. Pourquoi? Comme il a dit Rabbi Binyamin. Il dit, si tu dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de din de Talmid Chacham, donc en fait, tu es en train de faire un bisayon. Tu es en train de rabaisser les sages de la Torah de chaque génération. Kadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il donne dans la Neshama des Tzadikim un Nitzot de Moshe Rabbeinu. Il donne une possibilité de transmettre la Torah, un itzot de Rabbi Akiva. Dans chaque génération, il y a ceux qui vont transmettre la Torah. Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas une génération qui sera orpheline de Torah. Il n'y a pas. Chaque génération, Kadosh Baruch Hu, dor vedorshav. Iftach bedoro, kishmuel bedoro. Chaque génération, elle a son grand. Chaque génération, elle a celui qui va transmettre la Torah. Alors donc, il dit, si tu vas me dire qu'on ne fait pas la bracha, tu es en train en fait, de dire que les Talmidei Chachamim d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Talmidei Chachamim. Tu es en train de rabaisser, il dit le Rav Yonatan Aibishitz. Et donc, même aujourd'hui, il faut laisser cette bracha, maintenir cette bracha. Ça, c'était le deuxième argument qu'il n'y a pas de din de Talmid Chacham. Maintenant, le troisième argument du Aruch HaShulchan, qu'il n'y a pas de définition, il dit le Rav Ovadia Yosef, Ma'abaya, on va chercher dans les poskim la définition. Et on va regarder quelle est la définition. Donc, on a une machloket entre des acharonim contre des acharonim. D'un côté, on a le Tzitz Eliezer, le Ben Ishchai, le Kafachaim, le Rabben Tzion Abba Shaul, ils disent aujourd'hui, on ne fait pas cette bracha. Top. Mais d'un autre côté, on a le Rav Ovadia Yosef, le Rav Osner, le Rav Eliashiv, le Rav Shlomo Zalman Neuerbach, le Chazon Ish, le Chatam Sofer, qui disent qu'il faut faire avec Shem Malchut, mais il faut avoir une condition. Quelle condition? C'est de respecter la définition, les critères qui vont fixer qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham sur lequel on fait la bracha. Et c'est ça ce qu'on va expliquer maintenant, et c'est comme ça qu'on va terminer le shiur. Quelle est la définition? Selon tous les poskim qui disent qu'on fait cette bracha aujourd'hui, Bechem ou Malchut, quelle est la définition? Quel Chacham? Chaque rave de Bet Knesset? Un rave qui fait un shiur à la radio? Un rave qui écrit des jolis sfarim, un rave qui donne des brachot, un rave qui fait des chassadim, quelle est la définition? Quel rave on fait la bracha de Shechalak Mechokhmato Lireav? Celle de Mdéchaim, qui sont quand ils peuvent faire chacun, l'un pour l'autre, ou un des délotiers et des rovas. Ken? Et on va voir tout à l'heure, il y a des histoires comme ça. On va voir.
Alors, avant de donner la définition exacte, on va ramener quelques histoires. Première histoire sur le Khatam Sofer. Khatam Sofer, qui était un des Gdolé Israël, il avait un doute, est-ce qu'il doit faire la bracha de Shechalak Bichokhmato Liriav sur son propre maître, qui s'appelait Rabbeinu Meshulam. Rabbeinu Meshulam, c'était un des rabbinim du Khatam Sofer, il avait un doute, est-ce qu'on fait sur lui ou pas? Et il est allé devant lui, et qu'est-ce qu'il a fait le Khatam Sofer? Il a dit, Tanu Rabbanan, Aroé Chachmei Israël, Omer Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shechalak Bichokhmato Liriav. Qu'est-ce qu'il a fait le Khatam Sofer? En fait, le Khatam Sofer, il a récité par cœur la Gemara dans Maseret Brachot, où là-bas il y a marqué que lorsqu'on voit un Chacham et Chachmei Israël, il faut faire. Donc il a dit, Bima Nafshach, je fais la bracha avec Shemu Malchut. Maintenant, si je ne suis pas censé faire la bracha, je ne sais pas quelle est la définition. Donc au moins, j'ai étudié la Gemara. Je l'ai dit en tant qu'étude de Gemara. Donc ça, c'est peut-être une possibilité de dire, Tanu Rabbanan, Aroé Chacham et Chachmei Israël, Omer, Baruch Ata Hashem. Et dit le roi Yosef, non. Parce que dans la Gemara, il y a marqué, comme on a lu tout à l'heure, il n'y a pas marqué Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Il y a marqué Aroé Chacham et Chachmei Israël, Omer Baruch Shechalak. Il n'y a pas marqué Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Donc il dit forcément que le Khatam Sofer pensait que quand on voit un Chacham et Chachmei Israël, il faut faire la bracha avec Shemu Malchut. Qu'est-ce qu'il a ramené après? C'est le Rav Chaim Milta. Top. Donc le Rav Khatam Sofer, il est dans le camp du Rav Ovadia Yosef qu'il faut faire avec Shemu Malchut. Une autre histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Cette histoire, elle est ramenée dans le livre Alichot Shlomo, le livre d'Alachot de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il y a marqué qu'une fois, le Rav Shlomo Zalman Auerbach est allé avec le Rabbi David Baharan, un des grands talmidei Chachamim. Il s'est rendu chez le Chazon Ish, à la vache alors. Et lorsqu'il est rentré chez le Chazon Ish, Rabbi David Baharan a tout de suite dit « Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shechalak michochmato lire'av. » Et le Chazon Ish, il a entendu, il n'a rien dit. Il n'a pas dit non, il ne faut pas faire la bracha. Donc on voit ici que le Chazon Ish, il pense aussi qu'il faut faire cette bracha. Une dernière histoire, le Rav Osner, à la Vachalam. Vous savez, le Rav Osner, il est à la base, il est d'Autriche, Austria. Et la ville, la capitale d'Autriche, c'est quelle ville? Vienne. Vienne. Alors il dit, le Shevet Halevi, le Rav Osner, dans son livre, il dit qu'une fois, il était dans son enfance, il se rappelle, à Vienne, qu'est venu le Tzofnat Pa'aneach. Tzofnat Pa'aneach, c'est un grand Chacham b'Israël qui s'appelle, aujourd'hui, il est appelé le Rogotchover. Vous avez entendu parler du Rogotchover? Rogotchover, c'était un génie. Il est arrivé à Vienne, et tous les Chachamim de Vienne, ils ont fait une assemblée, ils ont tous fait la bracha en même temps. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shechalak Michochmato Liriav. Donc on a trois Maaseh Rav, trois Gdolim, le Rav Vosner, le Rav Shlomo Zalman Auerbach avec le Chazon Ish, tous ces Chachamim et le Khatam Sofer qui disent qu'ils vont faire la bracha. Maintenant, quelle est la définition? Quelle est la définition d'un Chacham? Qu'est-ce que ce Chacham doit connaître et qu'est-ce qu'il doit être? Le Rav Vosner, dans son Shu Chevet Alevi, dans le Chelek Yud, Siman Yud Gimel, il dit comme ça. Tzarich sheyye ha-chacham mekubal mibne hador. C'est-à-dire que le sage qu'on fait sur lui, la bracha, ne peut pas être seulement un Rav de communauté. Il faut qu'il soit reconnu, accepté, pas reconnu, mais accepté de la majorité de la génération, des Bnei Hador. Si la majorité de la génération reconnaît ce Rav en tant que grand Rav Chacham b'Israël, que sa Torah est Torah Emet, et qu'il étudie la Torah Lishma, et qu'il a des bonnes midot et il est Irishamay, si la majorité de la génération le reconnaît comme tel, lui, c'est quelqu'un qu'on peut faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Shechalak Michochmato Liriav. Comment? On ne peut pas faire. Si tout le monde le reconnaît en tant que Tzadik Nistar, mais là, il n'est plus Nistar. Mais un Tzadik Nistar, on ne peut pas, donc on le, parce qu'on ne sait pas. Il dit, la bracha de Chachmei Israël peut être dite sur quelqu'un de Mefursam et Mekoubal, quelqu'un qu'on a accepté, que la majorité de la génération le reconnaît en tant que grand rab, le Rav Vosner, comme ça il dit. Je suis en train de reprendre ce qu'on a dit.
Il dit Chachmé Israël, il n'explique pas. Il dit l'Arouch HaShulchan, quelle est la définition de Chachmé Israël? Il n'y a pas de définition dans le Shulchan Arouch. Alors le Rav Osner, il donne sa logique. Il dit, je pense que c'est ça. Nahon, on va voir d'autres. On va voir d'autres. Je ne vais pas dire que le Rav Osner, je vais dire d'autres. Maintenant, on sait qu'on doit faire une bracha. Une fois qu'on sait que le Chacham, il est Mefoufsam, il est Mekoubal, etc., qui a le droit de faire la bracha? Parce que moi, un simple juif Pachout, ce n'est pas une gava de dire, je reconnais sa chokhma, c'est-à-dire que je suis capable de mesurer, ou c'est parce que simplement. C'est une très belle question, mais on voit que oui, un roé, c'est pour chacun. Comme chacun, quand il voit les niflod, Akadosh Baruch Hu, il fait une bénédiction. Quelqu'un qui voit un éclair, il fait la bracha. Quoi, tu connais la valeur d'Akadosh Baruch Hu? À mon niveau, je vois que ce rave, il a une sagesse dans la Torah et il est reconnu de toute la génération. Toute la génération, on va donner quelques exemples. Le Rav Osner lui-même. Rav Osner, il n'y a pas un juif qui ne sait pas que le Posek, celui qui répond les questions les plus compliquées de Halachot dans la génération, qui est le plus grand Amid Raham, c'est Rav Osner. Donc, quand on voit le Rav Osner, il faut faire la bracha. Le Rav Ovadia Yosef, la majorité de la génération le reconnaît en tant que Gdol Ador, le grand de la génération. Kechacham Batorah. Le Rav Chaim Kanevski, la majorité de la génération le reconnaît. Le Chazonish, le Rav Shlomo Zalman Bar, tous ces grands, ces Gdolé Ador. Ils sont Mekoubalim à l'aider Bnei Hador, la majorité de la génération. Comme ça, il dit le Rav Osner. On va donner d'autres définitions. Le Rav Yosef David Alevi, lui, il dit, il rajoute une définition, il dit que ce Rav doit être un Moré Horaot. C'est-à-dire que pour faire cette bracha, il faut que ce soit quelqu'un qui donne des halachot. C'est-à-dire qu'il répond aux questions de halacha. Quelqu'un qui ne répond pas aux questions de halakha, par exemple, il étudie que des midrashim, il étudie que le chasse, il n'étudie pas la halakha, il étudie que des mishnayot, il n'étudie pas la halakha, il ne répond pas à la halakha, on ne peut pas faire la bracha. Seulement un moré horaot. D'où il a appris? Benjamin, il va me demander d'où il sait qu'il faut être moré horaot. Il y a beaucoup de mekoubalim qui ne sont pas moré horaot, pourquoi on ne ferait pas? Il dit parce qu'il y a marqué Chachmé Israël. Il n'y a pas marqué Chacham. S'il y aurait marqué Chacham, donc Chacham, c'est un tamid Chacham. Mais il y a marqué Chachmé Israël, c'est le sage de Am Israël. D'ici, il y a marqué Chachmé Israël, tu vois que c'est quelqu'un que Am Israël a besoin de lui. Qu'est-ce qu'on a besoin du Rav? On a besoin des Halachot, qui nous enseignent la Torah. Quand on veut savoir comment on fait les mitzvot, comment on ne fait pas les Averot, comment on connaît les Halachot, comment on fait le Chot Shabbat, comment on fait le Chot Chagim, comment on fait le Chot Filim, on va chez le Rav, il nous répond. Il est Moré Horaot. Ça, c'est Chachmé Israël. C'est ça ce qu'a dit la Gemara. Roé Chacham et Chachmé Israël. Mevarech, Bel Reaya. Ça, c'est plus clair pour Rabbi Binyamin. Alors donc, il dit le Rav Ovadia Yosef, conclusion, il ramène ces deux définitions. Alors Rabotai, écoutez bien, la conclusion de notre shiur, on a deux définitions de Chacham pour qu'il soit, pour faire la bracha sur lui. Il faut tout d'abord qu'il soit accepté de la majorité de la génération, qu'il soit reconnu, que la majorité de la génération le reconnaît en tant que grand Talmid Chacham Yireh Shamayim. Et deuxième condition, il faut que ce soit un Moré Horaot Beisrael, que la majorité d'un Israël suit ses halachot, mais qui répond et qu'on on a besoin de lui pour répondre des halachot. Et il faut qu'il soit, il dit le Rav Osner, il faut qu'il soit Menousé Bechochmato, c'est-à-dire aussi le même Inyan. Il faut qu'un Israël, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves dans la Gdola Batorah. Ça, c'est la définition de quelqu'un qu'on fait la bracha de Baruch Shechalak Mechochmato Lireav. Donc, aujourd'hui, je ne voudrais pas citer de nom qui répond aux critères. Mais chacun, il a des yeux et chacun, il sait. Ça, c'est les critères. Et quand on voit quelqu'un qui est reconnu de la majorité de la génération en tant que Talmid Chacham et il est Moré Horaot, il enseigne des Halachot, ça, c'est quelqu'un, un profil de quelqu'un qu'on peut faire la bracha de Shechalak Mechochmato Lireav selon tous ses poskim. Peu importe, il est Ashkenaz, Sépharad, Tunisien, Marocain, peut-être Marocain, non, Marocain aussi, allez, là, on va glisser. Chaque juif qui est grand dans la Torah, qui est reconnu de la majorité de la génération, qui donne des horaot, on peut faire la bracha avec Shemou Malchut, Baruch Ata Hashem Elokel Melech Haolam, Shechalak Mechochmato Lireav. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.